Il porte ses cheveux mi-longs, une barbe de 3 jours, il a une cicatrice sous la joue droite. Le héros mythique Thorgal revient au rayon BD. Et après plus de 45 ans d'existence, le Viking fait toujours rêver. Et surtout, il fait toujours recette, Sébastien Bordenave. Ah oui, la série a dépassé les 16 millions d'exemplaires vendus. L'Argo Winch en est au tome 24, la série 13 en est au tome 28. Et pour Thorgal, eh bien c'est le tome 41 qui vient de sortir. Le point commun entre ces trois bandes dessinées, c'est qu'elles ont toutes le même papa, l'immense scénariste belge Jean Van Ham, qui m'avait confié récemment. Je suis devenu le beau-père de ces personnages que j'ai créés. J'ai ce qu'on appelle, et je garde forcément, ce qu'on appelle un droit moral. Jean Van Ham aura 85 ans en janvier prochain. Le premier dessinateur de Thorgal, le polonais Rosinski, 82 ans, il est toujours de ce monde. Thorgal est né dans le numéro 106 du journal de Tintin, un 20 septembre 1977. Un personnage d'orphelin recueilli par une famille de vikings au Moyen-Âge, mais qui viendrait d'une autre planète. Oui, c'est un peu comme Superman, les super-pouvoirs et les collants en moins. Aujourd'hui sort l'album 1000 yeux chez Le Lombard, de Fred Vigneault au dessin et Yann au scénario. Un album efficace à grand spectacle. Alors oui, longue vie à Thorgal ainsi qu'à ses créateurs originaux. Sébastien Bordenave pour Europe 1.